L'histoire de la littérature. Lessie Hellman. Le fait que... Lucy Hellman n'est pas n'importe qui. Son père, Richard Hellman, a proposé ce qui reste aujourd'hui encore la plus grande et détaillée biographie de James Joyce. Elle a été élevée là-dedans, elle devient, elle aussi, écrivain. Et puis, il y a ce livre, Ducks at Newburyport. Quand on allait en vacances dans cette station côtière, c'est juste le mystère d'un titre. Les canards à Newburyport. Et c'est un gros livre. Ouh, un énorme livre. C'est une femme. Une femme ordinaire. Il y a des ados. C'est pas facile, les ados. La mort de sa mère, oui, mais bon... on traverse toutes ces choses-là. Elle a été malade. Elle s'est plus ou moins guérie, mais on les porte, ces maladies. Il y a les voisins, c'est pas facile, ce voisin qui est un peu insistant parce qu'elle vit seule. Et puis, elle est là, dans sa cuisine. Il y a un parking, on voit le lotissement, on voit l'étendue. Et puis, il y a la télévision. Puis, il y a ce qu'il y a à la télévision. Et puis, il y a les films qu'on a vus. Et puis, il y a ce à quoi on pense. Et puis, se souvient. 600 pages, 800 pages. 900 pages, mais cette femme-là, dans sa cuisine, une matinée, rien qu'une matinée, et qui dit, le fait que, on dirait que c'est tout le monde entier qui l'aspire, tout le monde entier qui vient à elle, tout le monde entier qui résonne dans sa cuisine. Merci, Lucy Hellman, pour ce livre, Ducks at Newburyport, le fait que... c'est Claro qui traduit ça, les lionnes. Drôle d'idée. Il a dû s'amuser à traduire ça. Claro, 900 pages, le fait que...